Salam alaikum la famille, Pixel 224. Je vais être très bref dans ce live. C'est un live vite fait où je vais parler rapidement de trois points. Le premier point, je vais parler de cette histoire de grève à Conakry. Grève des transports à cause de la hausse du prix du carburant. Secondo, je vais parler de la situation dramatique à Kounsitel, de ce qui se passe à Kounsitel, à Gaoul, en ce moment. Et troisièmement, je vais parler de l'organisation Cifd, dont on entend parler, vite fait. Donc, partagez ce live, faites monter les cœurs pour sécuriser le live et tout et tout. Sans plus tarder, je vais commencer. Bon. On a vu dernièrement ici, le prix du carburant est monté de 9 000 à 11 000. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté 2 000 sur le prix du carburant en Guinée. Et tout le monde sait, si le carburant augmente, tous les autres prix augmentent automatiquement. Et le gouvernement, après avoir augmenté le prix du carburant, selon eux, à cause de la hausse du prix du baril de pétrole dans le monde, ils ont interdit aux transporteurs, c'est-à-dire aux chauffeurs, d'augmenter le prix du transport. C'est-à-dire, le prix du carburant augmente à la pompe, mais les chauffeurs ne doivent pas augmenter le prix du transport. C'est-à-dire qu'ils doivent perdre. Au fait, l'augmentation qu'il y a eu sur le prix du carburant doit être aux frais des chauffeurs et non aux frais de l'État ou bien de toute la population guinéenne. Chose qu'on peut entendre qu'en Guinée, voyez-vous, c'est dommage. C'est dommage que la vie devienne de plus en plus chère en Guinée du jour au lendemain. Mais on avait prévenu, on avait dit que voilà, il n'y a pas de surprise, en tout cas moi je ne suis pas surpris. Tout était clair, tout était prévisible. Le Guinéen lambda va souffrir. Le Guinéen débrouillard va souffrir d'abord dans ce pays. Maintenant bon, à l'issue de ça, les transporteurs ont décidé de gréver, d'organiser une grève pour protester. Voilà, pour protester normalement face à cette décision du gouvernement qui les interdit d'augmenter le prix du carburant après avoir eux-mêmes augmenté, c'est-à-dire le prix du transport, pardon, après avoir augmenté le prix du carburant à la pompe, ce qui n'est pas logique. Mais bon, ils ont organisé cette grève. Maintenant, je voudrais parler de cette grève un peu, de cette histoire de grève en Guinée. Voyez-vous, la famille, depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, si on comptabilise le nombre de grèves qu'il y a eu dans le pays, ça dépasse les 100 grèves et manifestations, ça dépasse 100 ou plus même, ou plus. Ça peut atteindre les 1000. Désolé, la famille, désolé. Arrêtez de m'appeler. Il y a des gens, quand ils te voient en direct, ils pensent que c'est là le bon moment de t'appeler. Arrêtez de m'appeler. Quelqu'un qui m'appelle, tu coupes mon live, je vais te bloquer. Wallahi billahi tallahi, sans hésiter. Ça, il n'y a rien à dire. Donc, la famille, je disais, il y a eu plus de des centaines de grèves et manifestations dans ce pays. Et tout ça a abouti à quoi, au fait? Ça a abouti à quoi? Toutes ces grèves, toutes ces manifestations, ça a abouti à quoi? Ça a arrangé quoi dans le pays? Ça va rien arranger. On grève ou on manifeste, ça produira les mêmes résultats. Voyez-vous? Parce que on n'est pas dans un pays de droit, je le répète. Le Guinéen lambda n'a qu'à mettre en tête qu'on n'est pas dans un pays de droit. On est dans une dictature. Et dans une dictature, c'est la loi du plus fort. Tout ce qu'ils vont décider, c'est ce qui va se passer. On n'y peut rien.
T'es contre ça, tu sors pour manifester. Tu connais ton sort. Tout le monde sait, bon, tout le monde connaît le sort qui est réservé aux grévistes ou bien aux manifestants en Guinée. Ce n'est pas un secret. Maintenant, sur ce, j'ai vu sur l'axe, Alhamdoulilah, hein? L'axe sur lequel il y a eu tant de victimes de grèves et manifestations dans le vide. Au fait, tout le temps, quand il y a manifestation, surtout à Conakry, il y a des dégâts sur l'axe. Il y a des exactions sur l'axe. Il y a des crimes sur l'axe. Et ça, rien ne change. Voyez-vous, rien ne change et rien ne va changer. Maintenant, à la population de l'axe, vous, les habitants de l'axe, le prix de carburant qui a augmenté, est-ce qu'il a augmenté pour vous seulement? Question. Le prix de carburant qui a augmenté, là, ça a augmenté pour vous seulement? Hein? Ça n'a pas augmenté pour les autres? Vous n'aviez pas vu ce qui s'est passé à Cancan? Ou une citerne remplie, hein, d'essence est tombée? Une citerne inflammable. Mais malgré tout, la population autour est venue avec des bassines, avec des bidons pour prendre l'essence à Cancan, bastion d'Alpha Condé. Si vous voyez bien la vidéo, hein, si vous voyez bien cette vidéo même à Cancan, vous verrez des gens qui sont habillés en RPG. Ils ont les t-shirts du RPG, mais ils sont là, bon, ils s'ouvrent, ils sont dans la merde. Donc, population de l'axe, quel qu'en soit ce qui va arriver, quel qu'en soit ce qui va se passer, même si on va vendre un pain à 10 000 ou bien à 20 000, à 30 000, même si, désolé la famille, désolé la famille, désolé, désolé. Il y a des gens, ils t'appellent. Je vais vous bloquer. Wallahi billahi tallahi. Donc je disais la famille, la population de l'axe, même si l'essence, le litre d'essence est vendu à 100 000, 11 000 est petit, même s'ils vendent le litre d'essence à 100 000 francs guinéens, ou bien un kilo de viande à 500 000 francs guinéens, un bidon d'huile à 1 million francs guinéens. Un sac de riz à 10 millions francs guinéens. Restez tranquille. Restez tranquille. Quand on parle de grève, restez tranquillement tranquille chez vous. Faites comme si rien ne l'était. Faites comme si vous n'êtes pas concerné aussi. Vous n'êtes pas les seuls qui souffrent en Guinée. Si on regarde même la Guinée ou bien la Conakry, vous êtes les plus aisés. Mais pourquoi, quand on dit manifestation, c'est vous qui brûlez les pneus. Et ceux qui sont sur l'autoroute, hein? Ils font comme si tout va bien et ils vont acheter le litre d'essence à 2 000 peut-être, ou bien à 5 000 francs guinéens. Donc le prix d'essence a augmenté. Il a augmenté pour tout le monde. Il a augmenté pour le Guinéen de Kassa à Yomou. Pour le. Au fait. Du Guinéen, le plus riche au plus pauvre, ça a augmenté pour tout le monde. Habitants de l'Axe, Midjédion, Djemte, Nanon. Si Diarako, il t'a oublié de faire grève, il t'a oublié de faire manifestation. Restez chez vous. Restez tranquillement tranquille chez vous. On n'est pas dans un pays de droit. Il y a des gens qui sont en prison, des innocents qui ont été pris comme ça dans des quartiers, à l'issue des manifestations ou bien des grèves qui n'ont servi à rien. Ils sont en prison là-bas actuellement, sur leur famille, pense à eux. Sur leur famille. Il y a des Guinéens, il y a des gens qui ont été tués sur l'axe actuellement, sur leur famille, se souviennent d'eux. Sur leur famille. Même moi qui vous parle ici, je ne me rappelle plus de certains visages. Des gens qui ont été tués sur l'axe là-bas.
Il y a beaucoup de personnes là-bas, je les ai oubliées il y a longtemps. Mais leurs familles n'oublieront jamais, ne pourront jamais oublier. Nous autres, on est passé à autre chose. On est passé à l'étape supérieure, on a tourné la page. Donc, fille Allah, s'il vous plaît, habitants de l'Axe, quel qu'en soit ce qui va se passer dans ce pays, ils n'ont qu'à vendre le litre d'essence à 1 million. Ils n'ont qu'à vendre le sac de riz à 2 millions. Ils n'ont qu'à vendre le pain à 300 000 ou à 500 000. Le transport n'a qu'à être 1 milliard. Faites comme si rien de n'était. Si les autres Guinéens font semblant de ne pas être concernés, vous n'êtes pas concernés. En tout cas, les manifestations ne changeront rien. Les grèves ne changeront rien. Ça n'aboutira à rien. Ils vont sortir, ils vont attraper des innocents, ils vont les foutre en prison, ils vont tuer des innocents, et puis basta. Un jour, deux jours, trois jours, nous autres, on a oublié, les autres sont enterrés. À bon entendeur, ça lui comprenait bien. Cette histoire de grève, laissez tomber ça, restez tranquillement tranquille chez vous. Ça ne changera rien. Point à la ligne. Secondo, je vais parler de cette situation à Kounsitel, dans Gaoul. Et Seigneur. La famille, il y a quelques instants, de l'or, une mine d'or a été découverte. Une mine d'or a été découverte à Kounsitel, c'est dans Gaoul. La population a commencé à exploiter la mine d'or. Les gens sont quittés de partout, principalement de la Haute-Guinée, des orpailleurs. Ils se sont dirigés vers Kounsitel, ils sont venus à Kounsitel dans Gaoul. Ils ont trouvé les habitants qui sont là-bas. Ils ont commencé, ils se sont mis à exploiter la mine d'or. Maintenant, vu l'ampleur, vu le nombre de personnes et le nombre de dégâts qu'il y avait à Kounsitel là-bas à cause de cette mine d'or, l'État a décidé de fermer la mine d'or. Ils ont dit qu'ils ont fermé la mine d'or, qu'il est interdit de travailler, d'exploiter la mine d'or qui est là, à Kounsitel. Ils ont demandé aux orpailleurs qui sont venus de la Haute-Guinée de rentrer chez eux. Ils ont dit à la population de Kounsitel de ne pas exploiter la mine d'or. Ils ont pris des militaires de Bokeh et puis de partout, ils les ont fait descendre à Kounsitel pour surveiller la mine d'or, pour ne pas que la population, non seulement de Kounsitel et puis ceux de les orpailleurs venus d'ailleurs, exploitent la mine d'or. Donc, ils ont dit qu'ils ont fermé la mine d'or. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Les orpailleurs qui étaient venus ne sont pas rentrés. Les militaires qu'ils ont fait venir pour surveiller la mine d'or exploitent eux-mêmes la mine d'or avec la complicité des orpailleurs, tout et tout. C'est-à-dire les orpailleurs venus de la Haute-Guinée exploitent la mine d'or avec la complicité, avec la complicité des militaires qui sont censés surveiller la mine d'or. Maintenant, tout en empêchant la population elle-même de Kounsitel qui a découvert, c'est-à-dire dont la mine d'or existe sur leur terre, on les empêche de travailler sur la mine d'or. L'État est au courant de ça. Ils ne disent rien. Une injustice totale.
une injustice totale. Maintenant, dernièrement, il y a des dozos, des chasseurs, des sorciers qui sont venus de la Haute-Guinée, qui se sont mis sur les orpailleurs qui étaient venus de la Haute-Guinée, qui sont restés sur place à Kounsitel et qui exploitent, qui sont dans la forêt, qui sont dans la brousse là-bas sur les mines, qui exploitent la mine d'or en complicité avec les militaires qui sont sur place. C'est-à-dire qu'ils donnent un million selon les informations aux militaires qui sont là, les militaires les surveillent, ils exploitent la mine d'or pendant qu'ils empêchent la population de Gaoul, de Kounsitel, à entrer même, à se diriger même vers la mine d'or. Voyez-vous la famille? Maintenant, quelle a été la conséquence de ça? Il y a eu un conflit. Au fait, l'État est venu opposer la population de Gaoul de Kounsitel aux orpailleurs et puis aux dossos qui sont venus de la Haute-Guinée. On dit aux autres de ne pas s'approcher de la mine d'or, pourtant ils habitent là. Et on laisse les autres exploiter. On prend l'argent avec les autres, les orpailleurs venus de la Haute-Guinée. Et eux, ils continuent de travailler sur la mine d'or. Ils extraient l'or. Voyez-vous la famille? Après, quand on va parler de ça, ils vont dire non, on raconte des bêtises. On dit de n'importe quoi. On dit de n'importe quoi. Imaginez-vous-même. Réfléchissez-vous-même sur cette situation. On empêche les autres, les habitants de Kounsitel, on les empêche. On dit non, la mine est fermée. Vous n'exploitez pas la mine. Pendant qu'on laisse ceux qui sont venus de Kankan, de la Haute-Guinée, des orpailleurs et des dozos armés jusqu'aux dents, eux, on les laisse, on les surveille même, on les encadre jusqu'à ce qu'ils exploitent la mine d'or. Voyez-vous, il y a eu un conflit entre les habitants de Kounsitel et puis les orpailleurs. C'est tout à fait normal. Et il y a eu des dégâts énormes. Au fait, il y a eu un accrochage entre eux. Les orpailleurs et puis les dozos sont rentrés dans Kounsitel, ont brûlé des maisons, ont blessé des gens. Et puis les militaires qui sont là, pire que ça, ils ont attrapé des jeunes de Kounsitel. Ils sont partis les mettre en prison. Voyez-vous, voyez-vous la mentalité, voyez-vous ce qui se passe dans ce pays. Une injustice, une barbarie totale. En fait, pendant que des bandits sont en basse-côte là-bas, des fouriens, des malfrats qui se font appeler l'abbé Sagné, les chefs Kamoufang et consorts attaquent des gens qui sont venus s'installer légalement, qui ont acheté des terres. Et eux, on les laisse, on ne les regarde pas, on fait semblant de ne pas les voir. Il y a des orpailleurs, des dozos qui quittent la Haute-Guinée, qui viennent à Kounsitel, brûler des maisons, violer des femmes, blesser des gens devant tout le monde, aux yeux, aux vues de tous. L'État complice ferme les yeux, observe, a occasionné ça. Ils ont occasionné tout ça. C'est grave. C'est grave, la famille. C'est très, très grave ce qui se passe à Kounsitel. Vous voyez, c'est comme ça ils font. Ils divisent les gens, ils montent les uns contre les autres. Ils font des bêtises, des trucs comme ça, pour qu'il y ait des conflits, c'est-à-dire pour créer des tensions. Diviser les gens, créer des... Tu vois? Maintenant, voyez-vous, c'est à cause de ce genre d'actions qu'on entend parler de CIFD. Parce que là, c'est une injustice totale.
une injustice totale que des gens viennent vous agresser, agresser ta famille, brûler ta maison. En plus de ça, en fait, ceux qui doivent te protéger te prennent et puis te foutent en prison. Hein? Voyez-vous? Voyez-vous combien de fois ça fait mal? Voyez-vous combien de fois c'est incroyable ce qui se passe en Guinée? Hein? Parce que voilà, la population de Kounsitel, qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, ils ont le devoir, le droit de se défendre de toutes les manières. De toutes les manières. C'est plus que grave ce qui se passe. C'est plus que grave. C'est plus que grave. Donc la famille, c'est ce qui se passe à Kounsitel et c'est déplorable. Une injustice totale, une barbarie qui n'a pas son nom. Mais tous les autres Guinéens ferment les yeux. On n'en parle pas. La seule personne qui en parle, c'est Guido Fulbe. Lui seul en parle. Les témoignages sont là. J'ai reçu des appels des gens de Kounsitel, des gens qui sont sur place, hein, qui m'ont expliqué ce qui se passe sur le terrain. Et on a vu des images où les militaires eux-mêmes, hein, où les militaires exploitent la mine qui est censée être fermée. C'est plus que grave. Et ils attaquent les gens, ils ont violé des femmes, hein. Ils ont mis des gens en prison. Ils ont brûlé des maisons dans le vide. Tout ça, c'est les gens qui sont venus de la Haute-Guinée là-bas. Des orpailleurs et puis des maudits d'oiseaux. Les maudits d'oiseaux, des barbares, des vrais sauvages qui ont commis toute cette barbarie. Avec la complicité, bien sûr, de cet état de merde. De l'état de merde qui est là. Mais dès que tu dis cette vérité, les gens, non, ils se lèvent, tu vois, ils racontent des conneries sur toi. Donc, c'est à cause de ce genre d'injustice et puis tout ce qui s'est passé antérieurement, hein, sur des gens qui n'ont rien fait, qu'on a vu naître Cifd. On entend parler de Cifd, Cifd. Je vais vous expliquer c'est quoi Cifd. Cifd, bon, une organisation dirigée par Modi Sori. Modi Sori qui est ici en Europe, hein, dont on entend tout le temps Guido Fulbe parler. C'est-à-dire Cifd, en quelque sorte, c'est une organisation d'autodéfense. Parce que l'État ne défend pas, ne défend pas les gens. Parce que ce qui se passe, disons-le de façon claire, ce qui se passe sur les peuples en Guinée, ne se passe que sur les peuples en Guinée. Et puis bon, rien ne sort. Wallahi billahi tallahi. Et puis on observe, ça ne se passe que sur les peuples en Guinée. Parce que on est dans un pays où, voilà, il y a la division ethnique, tu vois. Ils attaquent, tu vois, ils sont là, ils font tout pour détruire des ethnies. C'est ce qu'ils ont fait, opposer des ethnies. C'est ce qu'ils ont fait en forêt, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Moyenne-Guinée. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Kounsitel. Et c'est très grave. Il faut qu'on tenance avec la dernière énergie. Maintenant, bon, Cifd. Voyez-vous, ils en parlent, les gens en parlent, les gens commencent à en parler. En fait, c'est une organisation d'autodéfense dont ils parlent. Mais c'est quoi le problème? Vous savez, Moussi Behipe, affaire Cifd. Lundi, au fait, nous avons dit Yimbe, c'est un mot de souris, c'est un guide fulbe. E ko nanda tay mum taway be hino fala itugol moné vomi taway be hino fala yottagol hino fala dartagol
Djonnom, au fait, la question, nasi hino, doua dartagol, ko hino, doua dartagol. Mais quand on a une vision, on a quoi qu'il y en a non. Voyez-vous? Quoi qu'il y en a non, dès la base. Parce que quand on dit qu'on est la Guinée, même quand on dit qu'on est la Guinée, quand on dit qu'on est pour le foot, quand on est pour le foot, tout, on a fait une jawal au talo. Donc, mais dans le fond, affaire CIFD, on a une vision. Wallahi billahi tallahi salam, même vision ko hino doa dar tegol jonom bon sur la forme no ga sare ko goddum go même si estay monta d'accord sur la forme mais en tout cas sur le fond parce que comme bo dar toto si wi ama dar to si wi ama dar to comme bo dar toto hein comme bo dar toto ko piano dar toto ko ataka no dartoto ko dum woni dartagol ma yay mota ka goddo de ko ya darto face e ataku do ma se goddo ataki ma o fait ko devoir ma ya darto goddo bandi kama do ko ya jondu mo do dum ko halaji penale non ko halaji monomara non vabe bismi landama goddo si bandi kama do haro bandori ma jungo ko ya yottoro padal min similam dama min ko non wallahi billahi tallahi so goddo bantori ma jungo yottora padal ko dum woni ko haali ko donc programme CIFD no woni ri non no mi famiri non sur le fond ka iyal hakilla no nangi jonno mawdo sur la forme ko dum mi yow ta seeda hein Quand on met ta sur la forme, j'aime la moja, la famille. Écoutez-moi très très bien. Écoutez très très bien. Par rapport à CIFD, madum par rapport à Tartagol déjà en général. Parce que on a dit, maintenant il y a des fulbe qui nous voient là. Il y a des fulbe qui nous voient lire. Nous on dit qu'il y a des fulbe. On met à ta côté des fulbe. Si on nous voit, des fulbe qui nous fait n'entendre. Ko do wonu gole gundo c'est-à-dire programme ji de gido fulbe wonni nge wol de no wonno nge wolirde dun na public na yeso fo dun do wolede dun kaka gundo wolete on non côté ara no wodi be ben go faamani même si min big soul mi wona d'accord peut-être à 100% Et communication guido fulbe on a estay mi wala d'accord mi wata wonu gol d'accord à 100% men kan non kan kadi wata wonu gol d'accord rien à 100% et comme yo wata kon fo foye mu no gasa wi ay ton kata wata vraiment garay eh eh mais si l'on m'a dit ma election ji dim feji pankare ji di wadi ko wadi kon toñe yimbe wara ma rewbe violama tudi bonnama magasin ji yimbe sunnama bien di fulbe jattama fulbe ranama partout hein fulbe ranama partout on ande fulbe buy bugu bagandino imori jinyo karba karbanni hein fudi rassembla gol wola halaji hein no gol jattay pe hein bon tigri si andari atawa fala be ben darta gol tigi 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 tawa be ben vraiment ko so be woni ko dial woni wolde Comme c'est d'abé. Comme c'est d'abé. Wallahi billahi tallahi. Snaru nuru babé. Ko halawitum. Bordo barda ponom panam birdi birdi. Birdi birdi. Piji tantama ka gundo. Ko nuwa ni babé nganda. Sahay nike. Offer CFD fiti. Yalti kenam petan. Ko fi ka gundo beronku. Ka gundo beronku. Wallahi billahi beronku. Na mon katama ka gundo nani te dugale mo et election ni feji katama ka gundo yo no existe mi la ngande fi CFD nebi mais problème mon ben sey ka gundo be bali fere fere ba ki fecere fere ba ki parce que mo wi dar toto la gine et puis arrête ko famu golde dar ta gol contre qui non ga di famé moja
na contre l'ignol ina contre non digirde ko contre wonu ba benge toñu de yamay be yimbe war dalu fit jono ngare ko jamon do famu gol darta gol bengi na sama kala ma sama kala de ko gol loge wolde fi mum dongi lo teddi ino teddi ma programme mono mana non de na hala hala na birdi birdi parce que ben ko wonu be prêt alpha conde clam bu fo bebe yoton ko wonu be prêt be jokka sina fi no be lutire laamu be jokka fi sina siga dum waru gol yimbe billahi wallahi be woni prêt yibe mari jawdi be mari yimbe yibe mari ala yibe mari kala ko be jogeta yibe jogi donc sa ni adarto no siga ben ko ya hebu taw fere dundo principal principal mbudi na hembudi ko jawdi jawdi siwe jawdi ko yimbe harakadi ko susube tawata hibe mari bernde vraiment monay no musibe be fala itugol monay be fala dartagol sino non di wopi haray ko nyakkentin nagol wona nyakkentin nagol haray ko hala wona hala ya hata hay noku sala fere sala moy mbudi jawdi harakadi non ko jawdi buy ala yimbe harakadi ko yimbe buy wonu be pre ando ko sama kala jokura fere ni on dem fenande jonno de non ko teji di affaire mbudi d'abord affaire mbudi ko ful be fuuta ngelo yettata mbuku mum okay ukay programme dartagol ful be fuuta ngelo accu ngakay yalla question ko ful be fuuta ngelo yettata kumum jaw kumum ukay fi dartagol ba ngelo akontaybe billahi wallahi ka kolli do andina nay ngalutum o fetay lambing je suis pas pessimiste mais je suis très très réaliste c'est à dire metajaki kono ming ming meme ye gonga kan en face moi je vends pas de rêve aux gens non je vends pas de rêve aux gens je raconte pas de n'importe quoi écoutez très bien ko ful be fu ta ngelo te tata jaw ko mum o kay programme dartagol be ngelo ka gundo birdi birdi nano nani te dungale mo kono bay fi jawdi wo lama he sa ko ni sa ko ra ni ni sa ko ra ni haya holata ko billahi wallahi tallahi haya holata ko merci jamon no mari jawdi kono ko njelo kata mbudi mum mobo ndirano no birdi birdi na halaji wowla wobbe woli fi jawle pocho pacha afi ittu gol jawdi wowla he ko ni sa ko rani ni wallahi billahi ase kay pour le mardo jawdi ala yaduna yo jono yeru marbe seeda be mon tuma yimbe buy kadi arnaka no ngadi mi yetto yimbe buy arnaka ma do fi affaire tartagol ta ko piji fenandeji mo bi ndira do mbuko yimbe mbuko to soko ya se kay mbudi to soki no you know est-ce que jamo non di taw ko joki la ilaha illallah be jodi be lagina be ngino woni pre ben na hay sori lagina holori ben no sodoyi mercenaire be no hewi lagina mercenaire be dongia wakande yobabe ko tidi be ngala sito lagine be ala bikkum be ala humbe ala hen ben no woni pre waru gola hombo tegri de arabe yurmaka siga ben no soda da ben no jodi donc si awona pre ta wolu fi ben ta wolu fi ben si awona pre de façon financière hein de façon ressources humaines si awona pre terto c'est Cifd sur le fond ko ide mojo mais sur la théorie ko ide mojo mais sur la pratique frère billahi wallahi tallahi ko hala wona taw taxon ko hala wona wona ka pre fi darte gol fi yondum je pèse mes mots ful be fouta ben
On a dit au prêt d'Artagolani. Ah. Joma Jau Dipeng. Il a préféré d'Arno et l'étage. Mais quand tu as l'étage, je m'en vais. Simon. Mais quand tu as l'étage, je m'en vais. Simon. Mais voilà, il y a des maïs, il y a des sourds. Alors, Jau Dipeng, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des on l'a bani fou be okay mbudi ma benin be okay e projet djima be personnel ma be okay de banque ji no di banque ji buy no no di patron be ful be buy c'est be mayi ay bibbe ma be hetta jawdi mabbe go ara no bloqué ka banque ji ga suisse partout ara no bloqué ton tranquille hay la carte de tata ko yo donc jama wona prêt ma ko carte carte jeno yeye de c'est vrai ma ko no he hay dum tu vois ma hay dum. Voilà fi. Voilà fi. Voilà fi de. Yo. Donc men ko minata men ko non parti tum ko simi miji tika fi non mi dari are no yurmi. Parce que jamo nyakenti noto do, hein? Wada do communication, hein? Communication jamo besika besika wala ko jamo ngala ara jamo fusaba. Besika la ko ala ko ko mi woli. Par exemple kilo fulbe. Ko gido fulbe tigi tigi moneno musa moy mo fala itu gol mone holle mo fala darta gol mo fala no dartore o katike ka gundo ha so yalti ti akede gido fulbe o mo yoto min non be yewti me yewti tike kono o ala fere o ala fe kere fere moy ngala ko pepe o jogi pepe hala hala ko yo hala malheureusement modi sori. Maintenant, je me fais une intention, je m'appelle une personnelle. Quand on a un an de tout, on fait une école, 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 c'est vrai. On fait une école, 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 on fait une école. Aha. Adia patron yo pula wol ni mo fisika din programme di koyo jallu. Wenna feti. Ah, wenna feti. Donc eh, moi je suis pas pessimiste, mais je suis réaliste. Mon programme sur le fond, c'est un bon programme, mais sur la forme, ko programme met tout le fi. Parce que pour le foota même au Lyon et au Nalta au Pré, fio et tout le monde, toi et la Guinée. Ah, on a le Pré de. Je me dis, on a le Pré. Si toi et Lambda, on a le Pré. Quand on a le Pré, fio non. Fio non, j'y vais mon nez. J'y vais mon nez. J'y vais ton mon nez. Mais il y a quoi, Kounsitel? Kounsitel, merde, mais Pia Yimbe Ben. Hein? Il y a Oustaz. Oui, les gens sont envoûtés, ok. Ok, ça aussi c'est une autre option. C'est très très grave ça aussi. Mais voilà. Kounsitel, on a dit que quoi qu'on a fait une. Il y a eu haute Guinée. Mais Harry, il y a eu pijama, il y a eu le soudi, il y a eu le soka, il y a eu le soudi, il y a eu le violi, il y a eu le raoube. 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 Ah, buriko wadi ko Kounsitel ari wadi ko no yimbe njalo wara ka ax njalo rada kankanto duma honno to sunna kankan sigiri ko njalo hein ha fore to ngani ke kadi ko bone wadde der futa jalong yimbe minde maccu be wudabe hein yow tom birdi no wora ko woli wo onani on yinu no gita bonden. Maintenant, quand nos quatre ans de Yeruko wa wikon. Au fait, il y a des guerres de l'info, puis Marie Moïse de l'info, puis bon nous golfe pour le foot en délai. Au fait, objectif, ma bien. Dans 2026, puis élection, il y a un peu pour le foot en élection, il y a un peu de hill, il y a un peu. Objectif, ma bien, faux nom. Il y a un peu de l'enquête, il y a un peu de. Voilà. Donc, c'est un peu ça.
Donc la famille, non, c'est dommage. C'est dommage. Jama on a l'état auprès d'Artagol Nani. Billahi wallahi tallahi. Fala be ben d'Artagol. Ben ouda be à l'affaire. Et c'est dommage. Fautou non wo. Haramo di sori bari. Aladji Kabiru, États-Unis. Harabe no mari jaudi. Harabe mari moeng. Ko dua kong. Be hiko yeso be itana pullo futa mone. Parce que pour le moment, ko ben don holli. Wande mako woni ko nge fekyu de pour le foot hino musu de be ko ben non golli voilà e de be ko ko der gol do fi leadership o ko dira do fi bonom panangi o ko dira fi peji fenandeji fi jaw ko yi hein arano programme di mum ko no mi hebirta etage di sappo ko no mi hebirta etage di nogay itanta hay mum ay sitto mum ay min raw mum neno goto itanta moné na non fere ma itta na mawdo pullo fuuta fu moné hoy odo programme allah nawru mo yeso billahi wallahi tallahi allah fere hebo ko dum mi yeli allah fere hebo are ne ngadi en yeyi ka tawata hara goddo susata ponom bana nagol ni toña toña ni tun ni tun voilà mais donc c'est un peu ça la famille, c'est un peu ça quoi, on met à tata. Et tu ne fais que dénoncer, donne-nous tes solutions. J'ai quelle solution moi, Ming? Ming? Moi, c'est Ming la Marie-Jaudi. Ming, eh, Ming, je t'ai dit que je suis. Tu vois, Ming, je t'ai dit que je suis téléphoné en do, kachuru en do. Mais voilà, la fille programme qui. Ita wanta hore ma vraiment hay lady go to nata na non vraiment c'est parce qu'on anda comme une fois ben que faire ben woni prêt on anda donc na ko imbe dido tato mawdo mo boto do ma imbe njowo hein après du mando to imbe ben famali to ku ci tawino joma jawdi gida en fop pour le foot afu hein pour le foot afop joma jawdi bay ko mawdo daro jonnindira juude ya vision goto fewta no ko goto e ngay bayno solution parce que idan dudi de yoni molongi de mari joma jawdi be ida mari dartibe ayo me tankeru no wadali jamono yawde ran dispersé hein jamono yawde ran dispersé billahi rayda ngeda wobbe dano fala jawrugol wobbe no fala joldugol wobbe sino jawde wobbe no poddebe koy den tu vois c'est aussi simple que ça c'est très simple jamaa ko yondo ko goto jondindira juude gine yembe be fota o fina hiya vraiment ko woni ko ngelendi sino wopi ara ko du wonto en tout cas daragol darto ko ko haandi wallahi billahi tallahi ko ko haandi si atonyama atonyitama 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 tudi masundama hein eh ustaz swaiba ustaz swaibo onongo hino ngandi en fait musibe ngandi mi gonto mi décourager sera gonto mi huli fia faire programme pour le foota ngandi gonto mi huli kaka election ji din feji jamo birdi birdi ni jamo ngi mori emotion mo bondira yauta ponom panang hein sa kanoma fi ondo fi jawdi wawlama sani do goddo yettu sangero billahi tata wallahi billahi o tata yo moi pensez que c'est si moi je raconte pas de bêtises ici mais non, mais dans les réseaux sociaux, moi je passe les véritables informations. Hein? Ça ne sert à rien en fait. Wallahi billahi, ça sert à rien. Quand y a qu'une tinte de golf, il y a un nom. Je ne sais pas si tu es là, 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 tu
fala be be yodarte ibe fande be duda be ala fere maru be fere no joki aju mum ino kontu de taji jimu mo mo dira no do mi uno kam mo dira ko do mi mi dio ko fet gido fulbe ko woni ko ge wolde do ma modi sori ko woni ko ge wolde do hari be woli do ka gundo ha be romki ko be be hebali fere ka gundo ko dum be yalta ni kenem petan be woli fi programme mabbe o voilà c'est aussi simple que ça mi ko dum mi fala on fami ngol c'est be wolde wonbe ngeen de mawdo bon gido fulbe do wolde ko woli wo fet wo la no maka gundo ha ron kama ayo wallahi billahi les peuples vont encore mourir wallahi billahi tallahi ah les peuples sont dans dare ko fewdi ko ba ko no fewdi Kounsitel Kounsitel mawdo yibe say mbinda to yimbe ah et puis ils sont pas inquiets do sobe yoru be hod guiné kanyu may or pa yorbe huda be yoru be hod guiné avec la complicité et choko be huda be yibe violenta to yimbe Kounsitel wallahi billahi no yurmi trop no yurmi trop mais sa ni jamo yo imo daro darto be nama no anga feeti awol na do goddo pullo futa fi jawdi ko don be sa ko to min non be yiwoni mi riwoni gite adden mo bo dira mawdo ponom pananna fi jawdi wola tum he ko ni fo ali billahi wallahi tallahi lamar non sa debe je raconte pas des bêtises wobbe kadi profiti arnaki wobbe kadi you know indi mawdo ko fulbe tigiri kono arabe wonti day pullo voilà arabe wonti day pullo ko moba gol do mawdo tu vois ara se de vrais espions des infiltrés ara mawdo kala fere ko jetta mawdo arabe beto idande ko fewndi ko billahi be andi parce que be mari wonu be ka groupe ji fa be tindi be ko fala be darta gol kono arabe yahay mawdo be wona be to contre lui tranquille donc hey c'est dommage no yurmi ha mai billahi no yurmi Allah yo oku CFD dole ko dum miyeli billahi ko dum miyeli yo Allah oku be dole parce que mo bagama tonyama tonyitama hein piyama piyanama warama ino do darta ko Shoaibou moi je suis prêt à payer 1000 euros s'il y a des Guinéens, même si c'est 200 personnes, toi tu peux organiser une gagnotte, mais c'est faux Guinéen, mais c'est des faux Guinéens. Oustan Shoaibou, ah, on a dit on a dit, vous savez, hein? Wallahi billahi tallahi musibe hibe. On ne me dawa yo me dawa yo me dawa yo me dawa yo me dawa yo. Je vends pas des rêves. Si a wouli fi jawdi wala ni pour la fouta fi jawdi ko don saka ah wala be tugal mo nebe be fandi be huda seda be ni ara kadi wala donc sur ce waw do jondu gol dole be do jondu be CFD sab que ça ben non are ko yongando are ko onugol pre parce que jodi be ben to ko onube pre billahi be woni pre fota fota nongoy be woni pre pourtant le pullo futa wona pre ko hala hala wonde hala hala birdi birdi voilà wolugol pour ne rien dire donc c'est un peu ça.